le pupitre juste ici derrière moi, à 10 mètres. We are trying. Derrière nous, par là. Oh, pourquoi? Voilà. C'est ça. Emmanuel Macron. Oh là là, quelle galère. On va passer, ne vous inquiétez pas. On montre bien les palpations. C'est mieux comme ça? Bon courage, les gens. Merci. Bon ça part plutôt bien. Je prends un drapeau France, c'est mieux. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, je vais vous voulez. Bonsoir. Vous l'avez déjà. Bonsoir. Tout qui a. Bonsoir, on va bien arsener, bonne soirée. Bonsoir. Allez. Allez-y, on a même des pins, des cartes. Bonsoir, madame française aussi. Voilà. Bonsoir. Attendez, le bleu, il est plus bleu. Ah non, c'est bon. Non, c'est le même. On est plein chez moi. Ah bon, parfait. Bonne soirée. Bonne soirée. Une pancarte aussi. Et un petit badge. Ah ouais, un petit badge. Bon travail là, s'il vous plaît, merci. Et il l'a sauté. Nous porte-monnaie avec vous aujourd'hui et demain. Alors vous l'avez compris, rien n'est joué. Et donc ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent, et jusqu'à la dernière seconde.
candidature d'Emmanuel Macron. Ah, c'est un soulagement, un grand, grand, grand soulagement. Moi, je suis macroniste depuis le tout premier jour, lorsque je l'ai vu en meeting en 2016. C'était hyper, hyper important qu'il puisse continuer ce deuxième quinquennat et qu'on fasse barrage à l'extrême droite. C'est indispensable. Justement, qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce deuxième quinquennat? L'innovation, le soutien, des mesures pour tous, que tout le monde puisse trouver la joie de vivre ce qu'on vit ici. Parce que c'est un président très positif. Je sais qu'il est controversé, mais en fait, il porte les idées que j'ai, que j'avais dans mon cœur depuis toujours. Et là maintenant, il va falloir que, effectivement, qu'il y ait plus de personnes qui soient aidées pour qu'ils puissent vivre cette joie. Voilà. Et dans quelle mesure, justement, avec le contexte, du coup, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le quinquennat sera difficile ou non? Ce sera? Avec le contexte actuel, donc, oui. Le Covid, la guerre en Ukraine, dans quelle mesure vous pensez que ce sera plus ou moins difficile pour Emmanuel? Mais de toute façon, je pense que c'est le plus solide, le plus expérimenté pour pouvoir subvenir à ce qui vient de se passer. Je trouve que globalement, la crise Covid, on s'en est bien sorti parce que c'était pas évident. Et on est tous là, sans masque, bien vaccinés. Et la guerre en Ukraine, c'est terrible. Mais il a un bon contact avec Zelensky. Il va falloir trouver la solution, il va falloir trouver le chemin de la paix avec un Poutine qui va devoir répondre de ses actes. Comment est-ce que vous prenez cette réélection d'Emmanuel Macron? Alors moi je dis que c'est pas la France des riches, c'est la France des investissements. Et vive l'Europe! Comment est-ce que vous prenez cette réélection d'Emmanuel Macron? Écoutez, c'est une super victoire. On est super heureux avec une idée de l'Europe qui se renforce. Et pour moi c'est le plus important. En fonction des événements qui se passent aujourd'hui, on a besoin d'une France forte que propose Macron. Et ça, c'est la chose la plus précieuse que l'on a aujourd'hui. Et elle est maintenue. Et on est heureux de ça. Enfin, moi, c'est le... Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a réussi du coup à faire barrage à l'extrême droite? Emmanuel Macron fait un barrage sur l'extrême droite par rapport à l'Europe et par rapport à un programme principalement social qui est vraiment un programme qu'il a maintenu jusqu'à présent. Tous ses engagements, il les a tenus pratiquement. Et là, je pense qu'il va faire le nécessaire pour essayer de renforcer sa position et de diminuer la pression de l'extrême droite, qui malheureusement est de plus en plus présente en France. Mais Macron a les capacités aujourd'hui à travailler pour ça et à nous amener un peu plus de sérénité. Et alors justement, vous parliez du contexte donc avec la Covid, oui. La guerre en Ukraine. Oui. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça peut compliquer justement le second quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense pas que ça le complique. Aujourd'hui, il a fait avec sur la fin de son quinquennat. Il va avoir une continuité. Je pense qu'il il est clair par rapport à ses positions. Et donc ça ne peut que renforcer sa démarche vis-à-vis des pays européens et vis-à-vis de la Russie notamment. Dernière question, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, vous, au moins votre prénom et d'où vous venez? Alors je m'appelle Frédéric Lanos, j'habite Saint-Germain-en-Laye. Et voilà. Comment est-ce que vous prenez cette réélection d'Emmanuel Macron? Comment je vis l'élection? Comment vous la prenez cette réélection? Plutôt bien, si je suis ici, c'est que j'étais pour Macron, donc c'est une très bonne nouvelle et un grand soulagement pour la France. Et du coup, comment vous voyez ce second quinquennat? Je pense que vous attendez de lui? Ce que j'attends de lui, ça serait une politique un peu plus axée sur le développement durable, mais de poursuivre sa politique économique et politique étrangère dont moi je suis très satisfait actuellement. Et du coup, est-ce que dans quelle mesure vous pensez là que Emmanuel Macron a réussi à faire barrage à l'extrême droite aujourd'hui? Bon, le barrage il est assez limité. Hein. En 2002, on était à 85% pour Chirac, je crois. Il y a 5 ans, on était à 66%. Là, on est qu'à 58%. Il va falloir faire des efforts justement pour continuer à faire barrage dans la durée à l'extrême droite. Quels efforts par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire? Je vais pas avoir la réponse à la question malheureusement. Non, Macron c'est quelqu'un qui est assez clivant. On dit souvent que c'est le président des riches, il faut qu'il fasse un effort sur cette inclusion, inclure un peu le monde un peu plus rural et défavorisé de français auquel parle Marine Le Pen. Et justement, comment,
Dans quel même temps est-ce que vous pensez, là du coup avec le contexte actuel, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça va faciliter ou non le quinquennat d'Emmanuel Macron? Ah, on espère que le Covid est derrière nous maintenant, en tout cas il n'y a plus de restrictions. La guerre en Ukraine, ça ne nous concerne pas nous en tant que Français moyens, donc je ne pense pas que ça a un réel impact sur sa politique. La vraie politique qui va marquer les Français, ça va être l'économie, ça va être le pouvoir d'achat, c'est l'inflation actuellement dont les Français sont plus préoccupés aujourd'hui. Alors, donc tout en me regardant moi, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous prenez cette réélection d'Emmanuel Macron? Bah écoutez, c'est un véritable soulagement. On avait peur, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On se disait peut-être que voilà, l'extrême droite était à nos portes. Pour une deuxième fois, on se dit voilà, ça va finir par passer. Et non, on tient toujours pour la fraternité, pour les jeunes, pour l'Europe. C'est super important, donc vraiment soulagé. Et dans quelle mesure aujourd'hui vous pensez qu'Emmanuel Macron a réussi à faire barrage à l'extrême droite? Je pense vraiment que ça a été une coalition forte. Alors après, il faut voir les chiffres de l'abstention. Je pense que là, ça va être un vrai sujet. Et je pense que s'il veut gouverner de manière efficace, il va falloir qu'il prenne ça en compte. On ne peut pas oublier ça. Il y a eu les votes de Jean-Luc Mélenchon maintenant que ça va prendre en compte. Donc à voir si c'est passé ou pas, mais je pense qu'il a réussi à donner une dynamique. Je pense qu'il a vraiment su quelque chose, donc c'est vraiment cool. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez là pour ce nouveau quinquennat? Bah écoutez, plus d'Europe qui continue à s'aligner, qui est quelqu'un qui est assez dogmatique sur l'Europe, qui va continuer là-dedans. J'espère qu'il va prendre en compte les enjeux environnementaux. Il en a parlé beaucoup pendant le second tour, pendant le débat du second tour. Il va prendre ça en compte, c'est important. Et voilà qui va continuer à lutter contre les inégalités, faire en sorte qu'il n'y ait pas de justice, qui continue à englober tout ça, c'est vraiment cool. Dans quelle mesure vous pensez que là, le contexte actuel, donc il y a eu le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, il y a eu les gilets jaunes, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que tout ça, tout le contexte, va compliquer ou non le quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense qu'il a eu affaire à des crises justement, il a eu affaire aux gilets jaunes, il a eu affaire à l'Ukraine, il a eu affaire plein de choses comme ça. Là on peut se dire que c'est voilà, il a la carrure et l'expérience pour lutter face à des choses comme ça. Je pense que le vrai sujet maintenant ça va être d'unifier la façon française, qu'il n'y ait pas justement ce clivage qui naisse, que ce soit avec les votes de Mélenchon, les votes de Le Pen, qu'il arrive à unifier tout ça, à prendre en compte toutes les paroles. C'est très compliqué, mais je pense que l'enjeu va être plus là maintenant, l'enjeu en interne qui va être très important. République et donc je m'en réjouis. C'est le meilleur projet pour l'écologie, pour le pouvoir d'achat. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Est-ce que vous avez pu échanger avec le président? Est-ce que vous avez pu... Je pense que le président, il viendra tout à l'heure ici et il aura l'occasion de s'exprimer ici. Est-ce que vous attendez un appel pour être Premier ministre? Pas de sujet. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, a dit qu'Emmanuel Macron était le président le plus mal élu. Vous savez, j'ai pas trop envie de commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup manqué de respect vis-à-vis d'une échéance majeure qui est l'élection présidentielle, en voulant tout de suite passer aux législatives. Donc voilà, on continue dans la même veine, j'ai pas envie de commenter. Cinquième République hors cohabitation, évidemment le score du Front National, l'abstention sont toujours trop élevés. Donc ça veut dire qu'il va falloir convaincre tous ces Français qui n'ont pas été votés ou qui ont choisi le projet de Marine Le Pen qu'on peut concrètement améliorer leur vie dans les 5 ans qui viennent. Les législatives, ça va être une formalité comme en 2017.
ça va être fini. Donc il n'y a aucune élection, n'est une formalité. Il va falloir, effectivement, c'est une nouvelle campagne qui va s'ouvrir. Et il faut convaincre tous ces Français que, effectivement, on peut changer leur vie. On peut améliorer leur pouvoir d'achat, on peut engager notre pays dans la transition écologique. Et c'est les réponses qu'on veut apporter dans la campagne des législatives. À quoi ressemblait la planification écologique promue par M. Macron? Vous savez, la planification écologique, je pense que c'est très important. Parce qu'il ne faut pas imaginer que réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça se fait d'un claquement de doigts. Et quand ça n'est pas quelque chose qui ne concerne que le gouvernement. Finalement, ça concerne chacun d'entre nous. Ça concerne chaque filière industrielle, ça concerne chaque territoire. Et donc la planification écologique, c'est bien ça, de travailler filière par filière sur la façon dont on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en poursuivant la réindustrialisation de notre pays, en positionnant notre pays sur les technologies d'avenir, ce qui est évidemment important, en continuant à créer des emplois pour permettre à des Français de revenir vers un emploi, et puis dans chaque territoire aussi, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est des choses très concrètes, c'est trouver des modes de déplacement alternatifs à la voiture, c'est permettre aux Français d'accéder à une voiture électrique à un coût abordable, notamment c'est pour ça qu'on propose une location longue durée à moins de 100 euros par mois, c'est accélérer encore la rénovation des logements, mais c'est tout ça qui doit se faire territoire par territoire et filière par filière. Vous êtes intéressé par le poste? Pas le sujet du jour. Selon un sondage du Figaro, seulement 28% des Français se sont intéressés à l'élection. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas une forme de responsabilité dans ce désintérêt? Emmanuel Macron, il est rentré en campagne dès qu'il a pu, il a été sur le terrain, on l'a vu entre deux tours. Il a été aussi présent que possible, il y a une guerre en Ukraine, avec des événements qui devraient sans doute s'accélérer dans les prochains jours. On a effectivement, cette élection présidentielle, elle se tenait dans un contexte inédit, dans un contexte tragique en Europe, il faut peut-être le rappeler. Et aujourd'hui, bah, les Français, ils se sont quand même rendus aux urnes et ils ont voté pour Emmanuel Macron. Madame Borne, est-ce que vos collègues ont dit que c'était une victoire et qu'il fallait être humble? Est-ce que c'est aussi votre avis? Je pense qu'il faut évidemment rester humble, parce que la participation n'a pas été au niveau qu'on aurait pu espérer, ou en tout cas qu'on peut attendre dans une démocratie, y compris quand on a une guerre aux portes de l'Europe, parce que un certain nombre de Français se sont tournés vers le projet de Marine Le Pen, et donc il faut rester humble, et surtout s'attacher dans la campagne des législatives, et tout au long du quinquennat qui s'ouvre, à convaincre les Français qu'on a un projet qui peut améliorer leur quotidien. Quelle est la suite maintenant, après cette victoire pour la majorité? On en reparlera demain, mais il y a évidemment des élections législatives qui interviennent au mois de juin. Et c'est important que les Français, dans cette élection législative, donnent une majorité au président de la République pour mener le projet de transformation qui vise aussi à améliorer la vie de chacun qu'il a porté dans cette campagne. Qu'il faut rester humble, est-ce que c'est aussi votre cas? Ah bien sûr, il faut garder la raison, garder son sang-froid. Le mandat qui a été donné par les Français est un mandat qui est clair, un mandat qui est net et qui donne une légitimité très solide au président de la République pour les 5 prochaines années. Pour autant, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas allés voter. Il y a des millions de Français qui ont voté soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen. Et donc notre devoir, c'est d'entendre tous ces Français qui nous demandent de faire plus, de faire mieux sur le pouvoir d'achat, sur la situation économique, sur leur vie quotidienne. Ces millions de jeunes qui nous disent qu'il faut faire plus et plus vite contre le réchauffement climatique et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ces messages-là sont entendus. Je crois que l'essentiel, c'est, après avoir passé une soirée à fêter cette victoire, nous remettre au travail le plus vite possible en entendant toutes les voix de tous les Français qui se sont exprimés à l'occasion de cette élection présidentielle. L'écart est là, mais l'écart est plus resserré qu'en 2017. Oui, c'est la preuve qu'il y a effectivement des inquiétudes qui sont très fortes, des anxiétés qui sont très fortes, auxquelles nous devons répondre mieux à l'occasion de ce prochain quinquennat. Mais le fait que les Français aient donné un mandat aussi clair et aussi net au président de la République nous donne aussi des responsabilités écrasantes dès les semaines à venir pour répondre à ces attentes, à ces anxiétés. Elles portent, on le sait, principalement sur l'augmentation des prix, sur la vie quotidienne. Elles portent aussi sur notre ambition climatique. Ben, à tout ça, nous allons nous atteler dans les jours qui viennent. Monsieur le maire, you must be very pleased. Congratulations. Thank you. You're relieved. Well, we are happy, of course.
course for France, because I'm deeply convinced that the choice that has been made by the French population is a very clear one, a very strong one, and the best one for the French nation and for the French citizen. Nevertheless, we are fully aware of the necessity to improve what we have already done for the French population. I'm thinking, of course, of the purchasing power, which is today one of the most important concerns for the French population. I'm thinking also of the fight against climate change, which was at the core of the concern of many French citizens, including the youngest one. So there is a lot of job to do. But this is a very divided nation. We've seen that in the last 5 years. We've seen it in this election. What does Mr. Macron need to do to unite this country and actually ensure that some of the reforms he wants to bring about will actually happen? The key political challenge for the next 5 years will be actually to rebuild the French unity, the unity of the French nation. I'm deeply convinced that the best way of rebuilding that unity is first of all to listen to all the people that have voted either for Jean-Luc Mélenchon or for Marine Le Pen, to take into account their concern and to provide very concrete solutions. One more, finally, just there have been some very difficult relations with Boris Johnson and Brexit Britain. Is there going to be a reset now? Will you be best friends? I don't know, you Entente cordiale? Our first challenge will not be the relationship between the UK and France. Our first challenge will be to reinforce the French unity, to take into account all the concerns that have been expressed during this election, and to do our best, first of all, for the French population. Monsieur le ministre, est-ce que c'est pas une victoire à la Pyrrhus quand on voit l'extrême droite qui n'a jamais été aussi élevée, le pays jamais aussi divisé? C'est pas un peu bizarre de célébrer dans ce contexte-là? Non, je ne parlerai pas de victoire à la Pyrrhus. Je dirais que c'est d'abord une victoire qui est nette, qui est claire. 58% des suffrages, ça veut dire que les Français ont fait un choix très net, un choix très clair, et ont donné un mandat solide au président de la République pour les 5 prochaines années. Mais 58% des Français n'ont pas voté pour lui. Bien sûr, mais dans une élection, il y a toujours une partie des Français qui n'ont pas voté pour vous, et je ne vois pas pourquoi cette élection dérogerait à la règle. Pour autant qu'il y ait des préoccupations très fortes qui se soient exprimées dans cette élection, qu'elles viennent des électeurs de Marine Le Pen ou des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait des attentes très fortes sur le pouvoir d'achat, sur la lutte contre l'inflation, sur la protection des Français, nous en avons conscience. Qu'il y ait des attentes extrêmement fortes aussi, considérables, notamment de la part des plus jeunes des Français, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ils nous disent qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort, il faut aller plus loin. Nous ne sommes pas là où nous devrions en être. Tout cela, nous l'avons entendu. Et avoir un mandat clair nous donne aussi des responsabilités très lourdes pour les années à venir, pour répondre à ces attentes. Notre objectif est aussi, dans les 5 années qui viennent, de tenir compte de tous ceux qui ne sont pas allés voter, de tous ceux qui ont voté aux extrêmes, de tous ceux qui ne sont pas satisfaits de la vie politique française, pour leur apporter les meilleures réponses possibles. Très concrètement, vous allez faire comment ? Bah, concrètement, ça veut dire, dans le domaine qui est le mien, le domaine économique, continuer à les protéger contre l'augmentation des prix, continuer à les protéger contre l'augmentation du prix de l'essence, de l'électricité, du gaz, continuer dans la voie de la création des emplois pour ne pas se contenter d'un 7% de taux de chômage, mais aller vers le plein emploi, poursuivre la reconquête industrielle qui a commencé mais qui n'est pas suffisante pour que désormais nous ayons une industrie qui soit aussi puissante que l'industrie allemande ou que l'industrie italienne. C'est ça les défis qui sont devant nous, ils sont très concrets, ils sont immédiats. Je pense qu'il n'y aura pas un instant à perdre dans les querelles politiciennes et qu'il faudra se remettre immédiatement au travail, au service des Français. Dernière question, l'extrême droite n'a jamais été aussi élevée. Est-ce que ce n'est pas une faute de goût de célébrer au pied de la Tour Eiffel avec un tel décorum? Enfin, vous ne pouvez pas en vouloir à tous ceux qui ont milité pour la victoire d'Emmanuel Macron, qui se sont mobilisés pendant des semaines, pendant des mois pour obtenir cette victoire, de passer une soirée, je dis bien une soirée, à célébrer cette victoire. Pour autant, je le redis, dès demain, c'est au travail, au service des Français, en tenant compte de toutes les préoccupations qui sont exprimées depuis plusieurs semaines pendant la campagne électorale. Pourquoi on sent une sorte de libération sur le visage des militants? C'est une campagne très particulière. Pourquoi on a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose de très grave? Je pense qu'il y a un soulagement parce que la victoire de Marine Le Pen aurait été pour la France et pour les Français un véritable désastre économique, à mon sens, je l'ai dit pendant la campagne. Et donc moi je veux le meilleur pour mon pays et je considère que le choix qui a été fait aujourd'hui par les Français est un choix responsable,
un choix qui donne un mandat clair et solide au président de la République et qui va nous permettre de continuer à améliorer la vie de millions de nos compatriotes. Vous la qualifieriez comment cette campagne ? C'est une campagne qui a été dure, une campagne qui a opposé deux visions radicalement opposées de la France. Et un des défis que nous allons avoir devant nous, le défi politique le plus important, le défi politique majeur, c'est de restaurer l'unité française. Notre nation, elle n'est heureuse que lorsqu'elle est rassemblée. Il y a eu beaucoup de divisions dans cette campagne, beaucoup de fractures, des fractures territoriales, des fractures de projets, des fractures de vision, entre des visions qui ne sont pas compatibles. Une de nos responsabilités les plus lourdes dans les semaines et dans les années à venir va être de retisser un à un les liens entre les Français pour reconstruire l'unité de la nation. Il va falloir leur parler à ces électeurs de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, il va falloir leur parler pendant 5 ans. Mais je suis élu d'un territoire. Marine Le Pen fait des scores très élevés, la première circonscription de l'heure. Je parle à tous mes électeurs et je leur demande pas s'ils ont voté pour Emmanuel Macron, pour Marine Le Pen, pour Jean-Luc Mélenchon. J'écoute dans ma circonscription, dans mon territoire, comme dans tous mes déplacements en France, ce que les Français ont à me dire. Et quand ils ont un problème pour se déplacer, quand ils ont un problème pour payer leur loyer, quand ils ont un problème pour trouver un emploi, pour que leur enfant trouve une place dans la société, je ne regarde pas ce qu'ils ont voté. Je me dis, on va essayer de trouver la meilleure solution, on va la construire ensemble, et on va essayer d'obtenir des résultats. Merci. Merci à tous. Comment est-ce que vous prenez cette réélection ? C'est une réaction qui, je crois, nous permet d'être satisfaits ce soir, avec un score qui est quand même tout à fait net. 58-42, certains disaient que ce serait beaucoup plus serré que cela, et c'est voilà, une victoire nette. Mais pour autant, on l'a bien vu, c'est une victoire qui s'inscrit dans un cadre de lucidité et d'exigence, parce que l'abstention est historiquement élevée dans notre pays aujourd'hui. Et que, évidemment, il y a eu partout, au gré des réunions publiques que j'ai pu faire et des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, une attente forte sur quelques grands sujets que nous connaissons bien, sur le pouvoir d'achat, qui a été au centre de cette campagne, sur la France et la France dans l'Europe, sur l'école, sur l'éducation, sur la santé. Et donc, c'est autant de sujets sur lesquels il faudra concentrer l'action, les moyens et aller beaucoup plus vite, je crois, oui. Quel va être le comportement adopté maintenant face aux électeurs de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon entre autres, parce qu'il ne va pas leur parler à ces électeurs. Je crois qu'il y aura des élections pour cela, vous savez, ça s'appelle les élections législatives. Et encore une fois, d'abord, il y a une recomposition politique qui continue de se faire. Hein. On a vu avec la disparition quasiment des partis historiques, les Républicains, le PS, avec des jeunes qui ont aussi des exigences qui sont beaucoup plus fortes sur un certain nombre de sujets, je pense notamment à l'écologie. Et puis, avec un débat politique qui va se nouer là dans les prochaines semaines avec ces élections de mi-juin qui sont maintenant sur la ligne d'horizon. Donc travaillons et débattons. Ma dernière question après, je vais être tranquille. Le premier quinquennat, il y a eu quelques ralentissements avec le Covid, les gilets jaunes, la crise sanitaire. Dans quelle mesure est-ce que ce genre de contexte rend plus ou moins difficile le Moi, c'est difficile, je comprends la question, hein, mais c'est difficile de faire de la politique fiction. Là. La réalité, c'est que toutes ces crises qu'on a vécues, elles n'étaient par définition pas prévues. Nous avons essayé de les gérer comme nous le pouvions, en essayant de faire les choses avec justesse, avec justice. Et c'est vrai que le pays, mais pas que le pays, le monde est aussi dans un état qui, à bien des égards, est compliqué, parfois dangereux, et que nous devons sans arrêt nous adapter. Donc c'est aussi ça, certainement, un des maîtres mots, adaptation, adaptabilité, ce sera... En tout cas, une des clés de la réussite de ce quinquennat qui s'ouvre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais faire un très bien. Thank you.
l'instant, pour l'instant, il n'y a personne qui parle. Les gars, sans vouloir vous commander, personne ne passe. D'accord ? C'est mon avis, personne ne passe. C'est bon ? Personne ne passe. Monsieur Macron, monsieur le président, monsieur le président, monsieur Macron, monsieur le président. Monsieur Macron, s'il vous plaît, venez, venez. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Président, République française, Emmanuel Macron. Thank you.
Merci. Merci, chers amis. Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. L'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui depuis le début m'accompagnent et ont rendu cette élection possible. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes,
qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite. La colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors pour cela, il nous faudra être exigeants et ambitieux. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Et nous le ferons. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Alors, mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Chacun d'entre nous y aura une responsabilité. Chacun d'entre nous aura à s'y engager, car chacun d'entre nous compte plus que lui-même. C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis si fier de servir à nouveau.
République. Et vive la France. Jamais un président de la République en fonction n'a été élevé depuis que l'élection de l'Union. Jamais l'extrême droite n'a été aussi élevée non plus. Et deuxièmement, l'écart de 18 points, je ne sais pas si c'est le donc, le choix des Français est pas. Les citations de parce que ceux qui ont été réélus avant lui n'étaient pas au pouvoir, ils étaient les chefs de l'opposition, donc c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est la première chose. Réélu, alors qu'il y a tant et tant de crises dont on n'a jamais connu les pareilles,
l'épidémie, la guerre. Il n'y a pas eu la guerre en Europe depuis 75 ans. Et avec un tel écart, puisqu'il y a 18 points d'écart, si les sondages ne se trompent pas, alors ça a une signification très importante. Et ça engage un devoir, ou en tout cas une exigence très importante. C'est ce que le président a exprimé en parlant de ceux qui ont voté pour lui, de ceux qui se sont abstenus et de ceux qui ont voté contre lui. Et il faut que tout cela, ces trois types de Français, de citoyens, trouvent dans les années et les mois qui viennent des réponses à leurs questions. Merci. Ce soir, d'abord, il faut célébrer ce qui s'est passé. C'est d'abord la chose à faire, célébrer la démocratie. C'est ce qu'a fait le président de la République en saluant l'ensemble des électeurs, pas seulement les siens. Et puis, c'est à partir de demain, peut-être qu'on peut parler de la suite. Mais ce soir, il faut célébrer le fait qu'il y ait eu une belle victoire de la démocratie, et puis une belle victoire d'Emmanuel Macron, avec un score qui est quand même large. Maintenant, ce qui compte pour les Français, c'est les solutions que l'on apporte. Aussi sur, c'est sur un programme qu'ils ont voté. Et c'est important de rappeler que des choses précises ont été dites pendant toute cette campagne. Et il y a plusieurs messages. Hein, ceci ne doit pas non plus édulcorer la victoire du président. Mais c'est évident que, comme il l'a d'ailleurs dit à l'instant, il faut analyser le vote, parler à tous les Français. Ceux qui, en s'abstenant, nous disent qu'ils ont du mal à croire à la politique aujourd'hui. Donc c'est évidemment en étant concret dans les temps qui viennent, que ce soit sur l'éducation, la santé, mais aussi sur l'écologie, et que l'on montrera que oui, la politique, ça sert à changer la vie. Merci. Est-ce qu'on le fera au prochain gouvernement ? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire, c'est pas ça. Vous verrez bien. C'est bien. On attend vendredi alors. Comment ? Ah, alors. Monsieur Attal. Monsieur Attal. Monsieur Attal, il y a une sortie juste là. Avec vous, mais avec nous aussi, on est derrière. Solidarité. Une poignée de main. Merci. Bravo.
Merci à vous. Je sens plus mes pieds, mais c'est pas grave du coup, hein. Merci à ceux qui m'ont brisé le verre. Avec la petite, s'il vous plaît.
après ça va faire retard, mais... Tiens, c'est une occasion de... Non mais, je crois dans mon mardi. Non mais, pas mardi, regarde cette semaine, à midi, on peut jouer. Monsieur, excusez-moi. Voilà. Vous vous occupez de notre école, est-ce que je peux vous serrer la main pour vous dire merci? Ah, mais vous me l'avez conseillé. Ah non, moi c'est pas moi, merci beaucoup monsieur. C'est vraiment, on a Jean-Saint Saïd, c'est un très bon lycée dans le 16e arrondissement. Oui, merci beaucoup. Monsieur, vous êtes une célébrité, vous savez pas à quel point. Excusez-moi. Vous allez rester le Premier ministre ou pas? Un ministre de. Je reviens après si vous voulez. Oui, revenez. Merci beaucoup monsieur. Ce soir, on célèbre surtout les présidentielles. C'est à partir de demain qu'on va commencer à soutenir les législatives. Ce qui est important, c'est non, il faut donner une majorité au président et ce sera encore
travail, mais surtout il faut convaincre sur la base de propositions concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour chaque Français, c'est de sentir en quoi sa vie peut changer grâce à l'action politique. Et bon, Emmanuel Macron vient de remporter une victoire nette sur cette base-là. Et maintenant, il faut qu'il ait une majorité pour l'aider à gouverner, dans un sens, comme vous l'avez entendu, très constructif, très concret aussi, pour que notamment ceux qui ont le plus de difficultés puissent trouver des solutions, avec des priorités qui sont claires, notamment pour la jeunesse et pour l'écologie. Merci beaucoup.